Ce dimanche 9 janvier 2022 est un jour bien particulier dans le monde de la royauté britannique, la duchesse de Cambridge souffle ses 40 bougies. Mais il y a une tradition royale qui va affreusement manquer pour l'anniversaire de Kate Middleton. Normalement, les cloches de l'abbaye de Westminster doivent retentir afin de marquer par un moyen unique et spécial l'anniversaire d'un membre de la famille royale. Mais la pandémie de Covid-19 a mis un terme à cette tradition depuis le mois d'avril 2020. La raison ? La famille royale a dû revoir ses dépenses en réduisant les coûts de ses traditions familiales. On peut entendre les cloches de l'abbaye sonner avant les offices et pour célébrer les fêtes religieuses. Les cloches ont aussi traditionnellement été sonnées pour marquer les anniversaires des membres de la famille royale, a déclaré un porte-parole de l'abbaye de Westminster dans une déclaration. Mais cette tradition a été supprimée. Kate Middleton soufflera ses 40 bougies en petit comité après consultation avec Buckingham Palace. Les cloches ne sonneront plus que pour la reine et le prince Charles. Une absence de marque donc, pour Kate Middleton, même si la duchesse de Cambridge avait prévu une fête modeste pour la célébration de son 40e anniversaire. Elle ne voulait rien de tape à l'œil de toute façon, ce n'est pas vraiment son truc. Mais compte tenu du climat actuel, tout sera probablement encore plus réduit, a déclaré une source proche de la famille royale voulant rester anonyme. La soirée d'anniversaire de Kate Middleton ne comprendra que les amis très proches du couple qu'elle forme avec William, en plus des membres de la famille royale. Cette décision est intervenue cet hiver, lorsque la famille s'est réunie à Amey Hall pour les fêtes de fin d'année. Loading Widget.